Les amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment est-ce qu'on installe une baignoire. Alors, j'ai pas l'intention de vous faire un cours de plomberie. C'est pas mon métier. Je vous montrerai quand même après dans une autre vidéo comment on fait un minimum de plomberie avec du sertissage. Mais pour l'instant, on en est sur la baignoire. Bon, comme à peu près tout le monde, j'ai acheté une baignoire, c'est pour une résidence secondaire, pour une baignoire très bon marché, 110 €, donc c'est pas très cher. Le problème, c'est de l'acrylique. Souvent, c'est assez souple. Il y a quelques petits trucs à connaître pour que votre baignoire soit bien installée. La première chose, évidemment, avec ce genre de baignoire, il est vendu des pieds. Alors, les pieds, ça consiste en des tiges filetées qui viennent se visser à différents endroits sur la structure même du dessous de la baignoire. Ouais, j'en ai déjà installé trois. Il y en a un qui va venir ici au milieu et un qui va venir là. Comme ce sont des tiges filetées, il faut les visser là-dedans. Alors, vous avez un écrou. Vous avez le pied en plastique qui va venir lui s'appliquer sur le sol. C'est quasiment mission impossible, on va dire, de le visser comme ça. À la main, c'est impossible. Venir le prendre avec une pince pour le visser, il ne faut surtout pas le faire. Vous allez abîmer le pas de vis et après, ça ne se vissera plus, ça ne se vissera plus, ça ne se dévissera plus le pas de vis. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre un premier écrou et un second écrou. C'est des écrous qui sont fournis avec. Le deuxième écrou venant se bloquer sur le premier, voilà. Ensuite vous prenez une pince multiprise et du fait que le deuxième écrou se bloque sur le premier, eh bien, ça vous permet de le visser jusqu'au bout et sans rien abîmer. Il faut essayer de viser ça le plus loin possible parce qu'évidemment il va y avoir de poids, ça va bouger, il faut que ce soit bien maintenu. Ce que je vous conseille, vous allez voir quand on va mettre ensuite le pied en plastique, c'est de les faire sortir tous à la même hauteur. Moi j'ai choisi 18 cm, il faut qu'ils soient tous à la même hauteur, de façon à pouvoir le régler après un niveau le plus facilement possible. Vous voyez, ça force un petit peu, mais c'est ce qu'il faut. Et je peux vous assurer que sans le deuxième écrou, ça, je ne le fais pas. Votre pied là, vous dévissez le deuxième écrou, vous l'enlevez, vous voyez que vous n'avez rien abîmé. Vous venez visser votre pied en plastique. Je sais que j'ai laissé 18 cm sur les autres pieds, donc je vais mesurer pour voir où j'en suis. Encore un peu. Voilà, je fais 18. Vous venez serrer votre écrou contre, de façon à ce que le pied reste en place. Il ne me reste plus que celui du milieu à poser de la même manière. On va mettre en place le siphon. Alors, le siphon, c'est ceci. Ça, c'est la partie qui va être en dessous de la baignoire, avec un joint. Vous voyez, c'est un joint un gros joint un peu particulier, qui n'oblige pas à avoir un joint au-dessus. Et puis, vous arrivez à la partie bombe de fond, va venir se visser dessus, mais par l'intérieur de la baignoire. Vous vérifiez que déjà le siphon soit bien vissé. Donc là, ça se pose ici à la bande de fond, la partie intérieure. Donc vous voyez que je passe pour que vous voyez celle-ci, et il faut la visser dessus. Serrer au tout début parce qu'on a le trop plein. Vous êtes ici, on va mettre le trop plein. Le trop plein, c'est exactement de la même manière que la bombe de fond. Vous avez une sortie sur le siphon sur laquelle il faut venir visser. Normalement, tout ça est vendu en 1 €. Vous pouvez l'appliquer dessus. Faites attention à ce que le joint conique plastique rentre bien dedans. Et vous venez serrer. Vissez ça en le serrant. Et ça, en même temps, on va compresser le joint conique et va rendre le tout bien étanche.
il y a une petite rainure, vous le mettez dedans, il doit s'appliquer sur la partie extérieure, pas sur la partie intérieure, et vous venez visser cette partie-ci, qui a une difficulté au centre de la bombe du trop-plein. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de mettre la baignoire en place. On va la mettre sur ses pieds. Vous aurez au préalable, évidemment, à réaliser vos arrivées d'eau et vos évacuations. On va la mettre sur ses pieds. Hop. Il faut mettre la surface, donc les bords de la baignoire, parfaitement d'aplomb, avec le niveau à bulle. Alors vous allez dire, oui, mais l'eau ne va pas s'écouler. Ne vous inquiétez pas, c'est fabriqué pour que ça soit à plat, bien de niveau. Dans le fond, l'inclinaison, la baignoire est fabriquée pour que l'inclinaison soit faite pour que ça s'écoule, tout en mettant parfaitement de niveau la baignoire. Bon, là, il va falloir que je revisse un peu les pieds là, que je divise un peu là, de façon à mettre tout ça de niveau. Une fois que vous l'avez mise en place, à l'endroit où vous voulez qu'elle soit, vous utilisez un niveau à bulle. Il faut que ce soit dans tous les sens, parfaitement à niveau. Bon là, j'ai déjà commencé un peu à la régler. Il vous faut, en agissant sur les pieds et sur les écrous, vous dévissez d'abord un peu l'écrou. Par exemple là, pour que ce soit stabilisé, parce qu'elle manque un peu de stabilité. Donc celui-là, apparemment, il est bon. Celui-ci, il est bon, donc je resserre l'écrou par-dessus le pied. Je le resserre à la main au début. On le serrera beaucoup plus fort par la suite. Et on va aller, ce du coup, l'étaler pour qu'il touche bien le sol. Et là, c'est pareil. On commence par lever un peu l'écrou. Ensuite, on dévisse le pied jusqu'à ce qu'il touche bien le sol. Voilà, c'est le cas. On resserre un peu l'écrou. Là, pareil. On dévisse un petit peu. Serrer les trous qui sont au-dessus de façon à ce que tout ça ne se dévisse à l'avenir. Et ça, on le fait sur les 5 pieds. Faites le tour, serrez bien. Vérification. Là, on est bon. Là, on est excellent. Excellent. C'est un peu laborieux, mais on finit par y arriver. Et là, tout aussi bien. Donc, elle est calée. On a serré les vis. Une bonne chose de faite. J'ai un meuble 120 qui se pose ici, avec double vasque, et je me rends compte que je n'ai que 118,5. Comme je suis calé contre les ferrailles, je vais avoir un petit souci. La baignoire, je ne peux pas la raccourcir, évidemment. Donc il va falloir que je découpe mes rails et que je fasse rentrer ma baignoire dans ma cloison de 2 cm. Je n'ai pas d'autre solution. Le placo viendra se poser par-dessus, le carrelage aussi. Et le robinet. Ici. Par contre, de ce côté-là, comme on est bien de niveau et qu'il ne faut plus qu'on touche trop au niveau, on va, comment dirais-je, faire un marquage. On va enlever les protections. Hein. Et on fait un trait, vous avez le rebord ici, vous l'avez là contre le mur. Et bien juste en dessous, sur la surface que vous pouvez, on va faire de ce côté-ci et un peu de l'autre côté, après on rejoindra les deux traits. Vous faites un trait juste en dessous de la baignoire. De ce côté-là, de l'autre côté.
normalement, si ici vous avez votre placo, donc là on va y avoir le robinet qui lui vient, on va dire, sur le côté de la baignoire. Vous faites pareil, vous faites un trait là. Moi je vais pas le faire parce que là je vais faire un trait ici, ici et ici, en ciblant dessous aussi. Et tout simplement pour découper le placo à cet endroit-là pour pouvoir faire rentrer ma baignoire de 2 cm parce que j'ai pas d'alternative. Voilà, l'opération suivante va consister à mettre un litot de bois. Ce que j'ai pris, moi je vais vous dire tout de suite en dimension, du 37 je crois, ou 35 sur 25. Il faut qu'il soit évidemment le plus droit possible, vous le vérifiez avant de le prendre. Je l'ai découpé à la longueur de la baignoire, elle fait 1m70, donc je l'ai découpé à 1m68. Et le bout de trait qu'on a fait tout à l'heure, plus le bout de trait de ce côté-là, va servir à mettre ce bois-ci parfaitement à l'endroit où la baignoire va venir se poser, le rebord de la baignoire va venir se poser. Alors on fait une petite vérification, normalement si la baignoire est parfaitement de niveau, on le met donc bien sur le trait là, bien sur le trait là, et on vérifie le niveau, parfaitement niveau, donc ça veut dire que notre trait est excessivement bien fait. La première chose que l'on va faire, on va mettre un mastic. On va bien mastiquer généreusement. Moi j'utilise un mastic acrylique, c'est celui qui finalement tient le mieux, sèche le plus vite, et a une très très bonne résistance. J'en mets, vous le voyez, assez généreusement. Là par contre, l'opération, après on va devoir laisser sécher avant de continuer l'opération. Donc là, on va visser, hop, une petite visseuse ici, on va visser ce bois. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, en suivant bien les traits que l'on a fait, hop, des vis, moi j'utilise des vis à placo, c'est celle qui passe le mieux à travers tout. Elles vont servir en fait juste à maintenir le bois pendant que la moustique sèche. Hop, il y a un millier. Voilà. Et vous voyez que la moustique commence à sortir un petit peu par là-dessus du bois. J'en mets une au milieu pour le faire tenir évidemment, en premier. Ensuite, là, pour être bien calé sur ma première ligne. Et un pour être bien calé sur ma seconde ligne. Mesure de sécurité, je vais rajouter un peu de guingois, un peu de travers si vous voulez, deux vis de plus, ça fait 5 vis. On aura le mastic plus les vis, logiquement c'est en béton. Si vous avez la chance d'avoir toute la place qu'il faut, donc de ne pas avoir fait la bêtise que moi j'ai faite, donc vous n'avez pas à découper ça, moi je vais devoir découper de façon à ce que ma baignoire rentre dans la petite cloison. Donc ça, vous ne le faites pas, ou si vous reproduisez le même bois que vous mettez ici, là, elle fait 70 de large, mais vous coupez un bois de 60, puisque vous avez l'épaisseur de celui-ci qui va se décompter, et vous le fixez sur votre placo de ce côté-là, de façon à ce qu'elle soit en réalité maintenue. C'est-à-dire que comme ce des baignoires en acrylique qui sont assez souples, pas très chères, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas cette installation-là, lorsqu'elle va être mise en place, même si, vous allez voir, on va coller la baignoire quand même au mur, quand vous allez vous appuyer dessus, elle va fléchir. Et pour éviter ça, honnêtement, cette technique, elle est nickel, elle est imparable. Donc, votre baignoire va se poser dessus, malgré qu'elle sera collée, elle ne bougera plus. Vous n'aurez plus de petits joints qui va se décoller, vous savez, entre le carrelage et la baignoire, puisqu'elle sera bien maintenue, il n'y aura plus tout ça, là, votre baignoire sera bien fixée, elle ne bougera plus du tout. Une fois que c'est fait, que vous avez mis votre bois, moi que j'ai découpé ici, vous voyez mes montants de placo, je la remets en place, elle est appuyée sur le bois que j'ai mis, vous voyez, ça ne bouge plus du tout. Ici, pour moi, c'est dedans, c'est bon. Et il me fallait 120. Là, j'ai 121. Donc, vous voyez, j'ai même un peu de marge, je vais pouvoir jouer un tout petit peu avec. L'étape suivante consiste. Ah, oui, on voit
pour bien le voile faire, enlever le plastique de protection sur le rebord de la baignoire. Alors là, on va le laisser à l'intérieur, on va le laisser. C'est une protection pour le carrelage, on va faire le carrelage et compagnie. Là, on va juste enlever sur tous les bords où on va coller la baignoire. Donc, moi, uniquement sur ce bord-là, je vais l'enlever quand même là-bas parce que après, je ne pourrai pas l'enlever. Je vais l'enlever que de ce côté-là. Pensez que vous allez pouvoir l'enlever après en donnant un coup de cutter. Il ne faut jamais donner un coup de cutter dans quelque chose qui est en acrylique comme ça, comme moi. Parce qu'après, c'est le coup de cutter que vous aurez donné pour découper, vous savez, après le carrelage, après la mise en place. C'est une très très mauvaise idée. Il faut vraiment l'enlever avant de le coller. Et quand je dis l'enlever, ne l'enlever que partiellement. Voilà. Donc là, on va la prépositionner. Avant de la mettre en place, on va mettre un cordeau de mastic silicone tout le long. Et vous, de ce côté-là aussi. Moi, je ne vais mettre que de ce côté-là, parce que de ce côté-là, je suis encastré. Ce mastic, vous pouvez y mettre du mastic transparent ou blanc. Ça n'a pas une grande importance. Alors, vous la mettez bien le long, comme ça, vous pouvez bien viser. Et puis vous allez voir, comme je dis toujours, n'hésitez pas, mettez-en. C'est ce qui va faire la tenue dans le temps, le fait qu'il n'y aura pas de fuite. Que j'ai bien mes sandales, parce que pour moi c'est quand même assez primordial. J'ai 121, je crois que c'est pas trop mal. Voilà le petit coup de chiffon pour enlever l'excédent tant qu'il est toujours frais. C'est quand même plus facile. Bon ben non, c'est la première opération est terminée. Il faut laisser sécher une nuit. Bon, l'étape suivante pour moi consiste à mettre le placo qui venira se poser à plat sur la baignoire, tout en ayant pris soin au préalable d'enlever la plaque derrière, faire passer les deux tuyaux d'arrivée au froid et au chaud au bon endroit. Je vais mettre donc ma plaque maintenant qui va venir là-dedans. Une fois que j'ai réalisé mon placo, donc il vient s'appuyer contre, que je reprends en dessous, je mastique évidemment au silicone aussi de ce côté-là. J'en mets un peu moins que de l'autre côté, parce que là, comme mon placo vient en superposition, maintenant on va passer à la phase. Oui, j'avais oublié. N'oubliez pas de bien visser ça, terminer de visser, appliquer votre bande de trop-plein, visser celle-là du fond et mettre votre bouchon, visser-la bien et mettre votre bouchon fermoir. Voilà, maintenant il nous reste à passer
comment dirais-je, le robinet. Voilà, donc je vais l'installer sur mon ici qui va servir de remplissage de ma baignoire, évidemment. Et pour ce faire, il faut évidemment brancher les deux tuyaux qui passent derrière le placo à cet endroit-ci. D'habitude, ce qu'on fait, on fait des trous, on fait un petit scellement et on ajuste tout ça avec des vis déportées. Moi, j'ai trouvé un truc qui fait qu'on n'est pas obligé de se servir de ça. Et très franchement, c'est un petit peu coûteux, mais ça facilite vachement le boulot. Et c'est systématiquement bien centré. Voilà, c'est ceci. C'est un système fixe pour raccord à glissement. Alors, raccord à glissement, c'est ce qui s'utilise avec le PER. Moi, j'ai mis des PER de diamètre 16. Donc, j'ai prévu des sorties en 16. Donc, qui correspond à mes tuyaux, au diamètre de mes tuyaux. Et en réalité, je vais vous l'ouvrir, vous allez voir ce que c'est. Honnêtement, c'est très, très, très pratique. Bon, alors tout ce qu'il y a dans la boîte est composé d'une plaque métallique, de deux raccords à visser là où le robinet va se prendre et les deux tuyaux derrière, de deux bagues de fixation, de quatre, je dirais même cinq, chevilles molies, vous savez, c'est chevilles spécifiques pour le placo, et les deux bagues qui servent au glissement et à tenir les deux tuyaux de diamètre 16, d'eau chaude et d'eau froide derrière. Bon, quel est le principe de ce système que moi je trouve tout à fait génial? Nous allons venir fixer cette plaque à l'endroit où on veut installer notre robinet et on va faire simplement deux trous, un trou là à travers, on va venir fixer avec les chevilles à frapper, dans les chevilles molies, on va coller toute la surface de la plaque et par les trous, on fait sortir ceci, où il y a plusieurs crans. Vous avez un cran ici, un cran là et un cran là qui va dépendre de l'épaisseur du placo, ça peut être autre chose que du placo, du carrelage, etc. que vous allez mettre. Bon, moi je sais ce que c'est du placo plus le carrelage, donc c'est le deuxième cran, celui qui est du milieu. Donc, et vous viendrez simplement, quand ce sera fixé au mur et collé, passer vos deux tuyaux qui sont raccordés, donc avec vos arrivées d'eau derrière, donc l'eau chaude et l'eau froide. Ça viendra s'enquiller comme ça, s'emboîter. Une fois que c'est fait, vous allez visser ça et votre robinet va venir parfaitement se mettre dessus, sans aucun problème. Donc, je vais passer à la phase de la pose de ce machin-là, mais bon, c'est de la plomberie, donc ça, je ne vais pas vous le démontrer. Je vous montre les nouveaux systèmes. Après, je vous ferai une vidéo avec le montage de ceci, complet, avec un petit cours sur, c'est bien prétentieux, un petit peu d'explication sur, on va dire, la plomberie avec le système à glissement. Je vous montrerai ça. Bon, attends, maintenant, je vais poser mon robinet. Vous allez voir, d'ici 10 minutes, ce sera. Qu'on va faire? On va mettre ces deux écrous qui normalement se mettent par-dessus le carrelage. Hein, donc, normalement, on ne le pose pas à ce moment-là. C'est une fois qu'on a tout carrelé. On pose ça pour avant de fixer ce qu'on appelle les rosaces qui vont venir de par-dessus. Mais bon, je les mets pour vous montrer et qu'au moins il tiendra tout le temps que la plaque va sécher. Parce que là, évidemment, je vais la poser. Tout ça est un petit peu frais. Donc, je le mets en place pour vous montrer la totalité du travail. Je ne vais pas les serrer parce que je ne veux pas qu'elles prennent dans mon mastic. Ensuite, vous installez ce qu'on appelle les rosaces. Vous avez les joints, il ne faut pas les oublier, qui servent au robinet. Okay, elles viennent se visser et cacher ces deux écrous. Deuxième rosace. Voilà. Et vous allez voir qu'avec ce système, vous n'êtes pas obligé de vous servir de ces trucs désaxés pour aller trouver le bon endroit pour visser votre robinet. C'est automatiquement exactement là où il le faut. Là, je visse simplement le robinet. J'ai mis les deux joints, vous l'avez vu. Et logiquement, s'il y avait l'eau, il n'y a pas l'eau parce que je n'ai pas totalement tout aligné. Voilà, il faut imaginer évidemment le carrelage fait. Et ça qui va se serrer par-dessus le carrelage. Et voilà. Et vous avez votre robinet qui est installé pour remplir votre baignoire. Rien de plus facile. Voilà, si cette vidéo...
Il ne vous reste plus qu'à aller voir les deux autres vidéos qui sont, on va dire, jointes à celle-ci. Celle de la pose du robinet, donc la plomberie, et celle que je vais faire maintenant par la suite, celle de la pose du tablier de la baignoire pour la finition.